Vous avez vu quelque chose peut-être? Un passage, quelqu'un qui ne s'est pas arrêté? Je vois surtout quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Normalement, ce soir, il est censé apporter du gibier. Il semblerait que ce petit vaurien soit reparti. Et avez-vous une idée de où ce vaurien peut se trouver? Oh, certainement. Il est certainement parti voir un de ces troupeaux de bandits là, dans la forêt. Là, les poignards verts, là. Ou peut-être les autres, peut-être aussi. Merci beaucoup. On entend. Et du coup, si mes compagnons sont à le stade, je les regarde. Est-ce que une chasse aux demi-orques et peut-être quelques bandits de plus à arrêter, ça intéresse un cas? On a entendu tout ce que tu disais, ouais, le contexte et tout et tout. Oui. Bon, si vous me demandez pourquoi, je vous raconterai en deux mots pourquoi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, mais ne parle pas de chasse. Nous allons le trouver, le raisonner, récupérer tes affaires. Sachant que je parle de chasse parce que je traque quelqu'un, je n'ai pas dit que j'allais l'abattre à Pélissine. Sachant que la nuit tombe, hein, quand même. Je précise. Moi, j'ai rien remarqué de spécial dans ma chambre quand on a été poser l'arbre avec Erin. Non, si t'avais rien de valeur, tu les as toujours? Ouais, bah j'avais mes sous sur moi et tout, donc il y avait mes bougies, mon livre de prière, ce genre de... ma couverture, des trucs comme ça, mais pas de sous. Si certains avaient des choses de valeur d'être restés, il y a des chances qu'effectivement vous les retrouviez plus. Moi j'avais laissé mon chat. Il est toujours là. Non, moi j'avais tout sur moi. C'est vrai que moi il y a mon furet qui veille sur mes affaires. Qui a dû mordre quelques jambes si jamais il y avait de la visite. Il y a un furet dans la chambre. Ah oui, du coup, Erin, effectivement, quand tu vas rentrer dans la pièce, tu vas poser l'arbre. Je vais te faire signe de poser l'arbre et je vais appeler Prune, mon furet, pour qu'elle puisse grimper un peu. Ça va lui faire de la compagnie, puisqu'elle reste enfermée dans la pièce toute la journée. Donc, voilà. Prune, le furet. Je te fais présentation de Prune, mon furet. Bizarrement, alors, tu verras que je lui ferai des... Il fera des caresses de trois, il se laissera renifler si elle veut monter sur son épaule. Enfin, il se laissera, voilà. Ouais, il est sociable, donc aucun souci. Athalys est ravie que tu t'entendes bien avec son animal. Bah, entre les loups, le cheval, le c'est fin, ça. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a une affinité. Entre bêtes, on se comprend. C'est une vraie ménagerie, en fait. Entre-temps, on est revenu, Ilana nous recrute et on repart, du coup. Et il va faire nuit, comment ça? Il va faire nuit, enfin... Est-ce qu'on là, a eu l'heure? C'est l'après-midi, je pense. On a eu le temps de manger, de revenir. Il est très tard, là? Quand non, vers... Est... Ouais, vers Col, c'est quand même 30 bornes, hein, okay. A priori, de ce que j'avais compris. Hein. Oui. Donc, c'est pas juste à côté, quand même. Et des mentors, ils sont là demain à première heure, c'est ça? C'est ça. Ce soir, on a le repas du chef Scapi. Oui. Oui. Je suis sûre qu'il acceptera de le faire attendre quelques heures. Moi, Ilana, si tu me demandes, je viens. Pas de souci. Même au milieu pareil, de la moi, nuit. Je veux bien venir t'aider à récupérer tes affaires. Mais... Soyons prudents. Comment passer la nuit dehors. Ouais. Si on se mêle à un nid de bandits, soyons prudents. Si vous voulez, on peut se dire qu'on sera de retour d'ici 2 heures si nous faisons chou bon. Et puis si la situation s'avère trop complexe, on attendra une meilleure opportunité. Bon, sachant que du coup, je ne suis pas en pleine forme, on va dire. Ah oui, est-ce que je peux avoir les barres de vie de mes coéquipiers, s'il te plaît? Oui. Tu vois que je suis un peu amoché, je suis pas, mais tu vois que j'ai quand même des belles entailles de cimetière d'ailleurs. Est-ce que je peux faire un jet de médecine pour soigner tout ça ou c'est déjà... Oui. On va tenter quelque chose. En voyant que t'es blessé, comme tu m'as rendu disons service. Disons que la nuit d'avant a pas été très reposante. Ouais, du coup, quand t'as déposé l'arbre et que j'ai vu que t'étais blessé, je t'ai proposé des soins. Voilà, je sais pas ce que ça représente pour le MJ.
Si, mais si, si, c'est bon. Même sans le jet, c'est bon, je crois. Parce que vous avez eu le temps quand même dans la journée, vous avez en plus une sorte de repos court parce que vous avez marché, mais bon, ça va. Vous n'avez pas eu d'attaque hier ni de confrontation importante, donc c'était. Du coup, il va mieux ? Il est opérationnel ? Il est opérationnel. D'accord, j'ai besoin de pas de dépenser de déduit ou quoi que ce soit, je récupère ce que j'ai, ce qui me manque. Non, ouais. Ok, merci. C'est bon. Et du coup, je vous propose. Du coup, vous allez partir à la chasse aux demi-orcs, du coup, là maintenant. C'est ça ? Bah, on va essayer de retrouver. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais. On peut essayer de trouver des traces. Voir où elle mène et puis. Heures. C'est ça. Bravo. Oui, bravo. Voilà. Je dirais que on a invité elle à manger avec. Oui, voilà, c'est ça. On a invité. Grâce par l'intermédiaire de Ankt, n'est-ce pas, qui a fait preuve de ses meilleures manières pour inviter elle à nous rejoindre à notre table. Je ne vois pas de quoi on parle. J'ai été très poli. Tout à fait. Un petit peu carnassier, mais très poli. Très poli. J'ai pas été insultant du tout. Non. 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 Il lui a présenté ça. Menaçant, je dirais. Je dirais plutôt convaincant. Et voilà. Tu as fait force de persuasion. Mais tu vois, parfois, Athalise, elle est convaincante aussi, mais pas de la même façon. Ah, on est tous convaincants à notre manière. C'est ça. Exactement. Donc, quand vous êtes parti pour poursuivre Anaxos et suivre la piste, vous êtes parti pour aller par là. Dans la forêt de Hekatea. C'est ça. On a suivi les pistes. Enfin, on a essayé de pister quand même. On a tiré l'aveuglette. Ou sinon, je peux essayer de pister s'il y a des traces ou des trucs comme ça, si tu veux. Avec plaisir. Ouais. Alors, moi, juste avant de partir, quand même, je vais commencer à incanter avec des petits gestes et puis je vais me lancer armure du mage. Avant de partir, quand même. Survie pour toi, Erin. Et investigation pour Hank. Moi, je vais faire une petite prière pour Erin, mais apparemment, je pense que ça ne suffira pas. Il est très très fort, je pense. Je pose la main sur ta tête et je prie pour toi pour te porter assistance, mais ça t'ajoute un des quatre. Tu peux le rajouter pour du coup pour son investigation. Mais il faut qu'il accepte. C'est parti. Il faut qu'il soit consentant. Pas besoin. Voilà. C'est vous. Pas besoin. J'ai bien saisi que le personnage est pas trop du genre à accepter des bénédictions, donc lui il se débrouille sans moi. Voilà. Effectivement, vu qu'il fait un petit peu sombre, vu que vous êtes rentré quand même en soirée et qu'il fait nuit, d'ailleurs, je crois qu'on avait dit qu'il faisait nuit. Ouais. Il commençait à faire nuit. Oui, il commençait à pleuvoir de mémoire. Ouais, sale temps. On va choper un rhume encore. Et Ankt, qui du coup a cette belle vue, trouve assez facilement des éléments qui peuvent lui indiquer qu'effectivement des personnes sont passées il n'y a pas longtemps, une personne est passée il n'y a pas longtemps d'un certain poids, donc probablement à demi-orc. Généralement, ça fait de bonnes traces dans la terre. Et du coup, j'imagine que Ankt, tu la suis, cette trace. Tu nous guides. Moi, je suis pas motivé pour aller dans une forêt la nuit pour suivre quelqu'un pour récupérer une selle de cheval. Il va falloir quand même trouver des bons arguments, mais en tout cas, je peux vous dire, il est parti par là. Bah, le bon argument, c'est qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher demain. En montrant les traces. Ah, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi. Mais voyons, on ne peut pas laisser le matériel de Ilana dans la nature, elle en aura besoin demain quand nos mentors vont arriver. Oui, et puis vous pensez,
le rejoindre en une ou deux heures, en pleine nuit, alors que lui, il est parti deux jours, et en plus, qu'il connaît le terrain. Et le coup, à se choper une embuscade, et puis à se faire tuer, ou moi, je m'y connais pas. Une embuscade d'une seule personne? Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est tout seul? Il y a bien des brigands dans la région. Si j'ai bien compris, vous deux, en montrant la claire et la paladine, vous êtes bien fait attaquer par des brigands sur la route, non? Bon, bah alors, c'est si vrai. Ça se trouve, il en fait peut-être partie, et puis on va le rejoindre sur son camp. Et puis, est-ce qu'on est prêt pour se battre avec une dizaine de brigands en pleine nuit? Moi, je me tourne vers Georgias et je lui demande s'il a connaissance dans la direction qu'un dit hante d'un campement ou d'une petite cabane peut-être de chasseurs de la région. Je te dis, par là-bas, il y a une bande de brigands qui s'est installée par là-bas. C'est pas des grosses frappes, mais il faut faire attention quand même. Ils cherchent un petit peu à faire leur preuve, quoi. Ah, voilà. Et le demi-orc, il en faisait pas partie de ces brigands aussi? Non, c'est une sorte de chasseur. Il ramène du gibier en général aux tavernes comme et aux auberges comme la nôtre. Il fait rien d'autre que ceci. Mais du coup, j'imagine qu'il dort plus dans la forêt que dans l'auberge. Vous savez dans quel endroit à peu près il se repose la nuit? Oui, il a une petite cabane à l'entrée du bois au sacre. D'accord, à combien de temps à peu près à pied d'ici? Une petite heure. Mais c'est pas du tout la direction que nous indiquent les traces, si? Non, c'est l'opposé. Les traces sont par là et sa cabane est par là. Est-ce qu'on serait pas en train de faire du délit de sale gueule Attendez, Athalys, elle va dire mais si ça se trouve, c'est pas du tout lui qui a volé et on lui met ça sur le dos parce qu'il nous a fait mauvaise impression hier, mais peut-être que des brigands sont simplement sortis du bois des KTA, ont fait le vol et sont repartis. Et... Ce captain m'a dit qu'il l'avait vu à proximité d'Olia et des écuries. Et puis ses traces ressemblent plus à un demi-orc qu'à un humain, si je me trompe. Oui. Ouais, mais les traces, c'est peut-être tout simplement les siennes, effectivement, parce qu'il est venu, il est reparti. Après, est-ce qu'il est reparti a une dans les mains ou pas? C'est ça. Je sais pas, hein. On fait un raccourci, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et s'il est reparti, si même il est reparti avec ton matériel et qu'il l'a revendu au brigand, par exemple, avant de rentrer chez lui au bois sacré, dans ce cas-là, on gagnerait du temps à aller l'attendre directement au bois sacré, puis à lui poser la question. Au moins, on évitera peut-être le risque d'embuscade. Si c'est nous qui tentons. J'aime pas trop savoir des brigands dans la région. Ça me paraît étonnant tout ce qui se passe ici et ce qu'on a découvert ce midi avec ces bandeaux que les garçons ont récupérés sur les corps de leurs opposants m'interroge beaucoup et j'aimerais informer avec le plus d'informations possible Marx quand je verrai demain. J'avoue que je penche plutôt pour prendre les brigands à revers et puis Aliana que ma seule soeur. Si c'est une bande organisée, on peut peut-être essayer de faire une approche discrète, observer, repérer où est-ce qu'ils sont et revenir demain un peu plus en force et à la lumière du jour. C'est un plan qui me convient. Vous seriez directement pour aller au camp des brigands. On oublie donc le demi-orc. Bah, c'est la direction que prennent les traces et... C'est le danger de la région. Si demi-orc se repointe ici, je suis sûre que Georgias saura le faire rester et je pourrai discuter calmement avec lui. J'ai une proposition. On va faire un truc. Ça sera peut-être un poil plus simple. Si vous voulez, vous quatre, enfin, ou trois, vous allez à la cabane du demi-orc voir s'il est rentré chez lui. Et moi, je viens avec quelqu'un d'autre.
cherche dans la forêt, le cherche voir si on trouve le camp des brigands et l'observer. On sera toujours plus discret à deux dans la forêt qu'à cinq, déjà de base. Et je pense être le plus discret. Donc moi, ce que je propose, c'est prendre le guerrier qui connaît la forêt, qui va être discret parce qu'il a l'habitude d'être dans les bois, j'imagine, en regardant Erin. Relativement discret, c'est pas... C'est sûr que la discrétion, c'est pas vraiment mon fort. Peut-être que s'il s'agit de discuter avec lui à son retour à la cabane, je serais plus utile, effectivement. Voilà. Et puis, vous trois, vous allez voir le demi-orc. Et puis, comme ça, on gagne du temps et on diminue les risques. Mais oui, c'est une idée qui me plaît, même si j'aimerais taper un peu du coup les gants. Ma discrétion n'est pas mon fort, je le reconnais. Surtout avec une armure comme la mienne. Et je bouge un peu et ça fait bling bling. Ouais. Est-ce que en forêt ça va vite se repérer, oui. C'est un peu pour ça que je propose cette idée. Je serais ravi d'accompagner ces dames voir la cabane de cet individu. Tu m'étonnes. C'est donc, quelle échelle la map, s'il vous plaît? Moi, je m'approche d'Alnar. Je lui colle un coup de poing dans la hanche. Et je lui dis, arrête de penser à draguer. Concentre-toi un peu. Parce que un demi-orc, ça peut faire mal. Tu vois que il va te mettre une main sur l'épaule bien, bien appuyée. Il va te faire, t'inquiète pas, je serai là pour les protéger. Avec un petit clin d'œil. Et là, Thalys, elle a tout vu. Et elle a presque compris. Presque compris. Et du coup, elle vous regarde d'un air un petit peu perplexe. Elle regarde Ankh. Elle regarde Alnar. Lui sourit. Elle regarde Ankh. Et puis elle se dit... Et elle dit, bon, on y va. Donc faire deux groupes la nuit, c'est-à-dire qu'au départ c'était pas prudent d'y aller à 5, et là on fait deux groupes la nuit, il pleut, dans deux directions opposées. Moi je veux bien, après je sais pas, c'est effectivement on gagnera du temps. La distance diminue à vue d'œil. La cabane elle est à 1 heure, et moi et puis Erin, on va juste faire du repérage dans la forêt, voir si on arrive à voir le camp des brigands et puis à voir s'ils sont combien ils sont. Si on est un temps soit peu discret avec la pluie, on ne devrait pas se faire repérer normalement. Ok, ben faisons ça. Alors on se met d'accord pour que, quel que soit le groupe, dès qu'on sent qu'il peut se passer quelque chose et qu'on est en sous-nombre ou qu'il y a un danger, on se replie en direction directement du Corbeau d'Or. De toute façon, une mission de repérage, c'est du repérage, c'est pas de la bagarre. Si on a le moindre problème, on se casse. On se retrouve dans 3 heures au maximum au Corbeau d'Or pour passer une bonne nuit. On va dire ça. Bah, lorsque la lune se sera au zénith. Allons-y. Un petit peu plus tôt quand même. Le mentor doit arriver tôt demain matin, j'imagine. 3 vers la cabane et 2 vers les bandits, Claude. Ok, donc qui va vers les bandits? Moi et Erin. Ankh et Erin, Thalys, Alnar et Ilana chez Anastos. C'est ça. Les deux filles et Alnar, quand vous allez vers... C'est plus vers l'est. C'est drôle de dame, c'est Alnar et c'est drôle de dame. Merci. Je lui cherchais un surnom dans ce genre-là. J'ai noté, Ankh a reproché à Alnar de vouloir draguer, je me demande de qui il parle. Dans mon résumé. Vous arrivez effectivement... c'est assez boueux autour de la cabane, mais effectivement vous reconnaissez bien une bonne cabane toute petite.
vraiment de quoi héberger juste une personne qui doit sans doute ne faire rien d'autre ici que de dormir. Et tout autour, pas mal de bouillasse, effectivement. Vous pouvez voir certains endroits où de la viande est en train de sécher. C'est pas très ragoûtant pour un chasseur-trappeur, mais bon, ma foi. Et il y a de la lumière ? Il n'y a pas de lumière. C'est relié par un chemin ou c'est vraiment genre à travers bois ? Enfin, il y a une piste ou il y a un petit chemin quand même Au début, c'était à travers plaine. Le bois est encore un petit peu loin. Pas très loin, hein. C'est vraiment en lisière. Mais non, c'est plus derrière vous. Vous avez de la plaine sur les côtés aussi. Et devant, effectivement, la forêt s'étend sous vos yeux. Donc on est à découvert quand même. Depuis la cabane, on est visible et à découvert. Ouais. La cabane pour vous c'est un vrai chantier. On entend du bruit ou... Vous n'entendez aucun bruit. Ilana va s'approcher de la cabane, va pas décider et okay, faire un mouvement contre le bois de la cabane. Adalys dessus, elle reste un pas en arrière et elle regarde ce qui se passe. Alnar est au même niveau que toi et il va d'un pas décidé également. Quand tu tapes à la porte, tu remarques une porte qui est assez branlante. Tu vois qu'elle peut s'ouvrir dans les deux sens assez facilement. Elle est ouverte ? Elle est ouverte. Enfin, si vous essayez de l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir assez facilement. Et du coup, j'essaye plutôt de la pousser. Et en poussant, tu vois à l'intérieur, du coup, une cabane dans le noir, plongée dans le noir. Est-ce que vous avez allumé quelque chose ou... Ah, parce qu'il y a... Pour marcher. Est-ce qu'il y a, il y a une cheminée ? Non, il n'y a pas de cheminée, non. Généralement, tu peux voir autour de la cabane un petit endroit avec des pierres où sans doute ça doit être utilisé pour faire du feu. Mais dans la cabane, t'as rien. Il n'y a pas de bougie, il n'y a rien. Non, pas de bougie non plus. Athalys, elle seulement... dit il y a quelqu'un, sachant qu'on voit dans le noir tous, hein, je crois, quasi. Nocturne, ouais. Nocturne, d'accord. Ouais. Par contre, vous voyez, et du coup, si vous voyez en nocturne, vous voyez sur le sol. Des fourrures. Donc sans doute que ça doit être son lit, entre guillemets. Et il n'y a personne dedans. C'est des fourrures de quoi ? De loup. Ouais, de loup, globalement. Vous avez du sanglier aussi. Il n'y a pas de trace de... Hormis le désordre général, il n'y a pas de trace de lutte. C'est juste qu'il range pas chez lui, quoi. C'est ça. Vraiment, c'est du piétinage quotidien. Et c'est de la viande comment qui est en train de sécher ? Bah, tu vois, c'est de la viande de loup, de la viande de sanglier qui est en train de sécher, de pas découper, pas pré-découper. Vraiment, tu vois le corps des animaux... Et il met ça à l'extérieur, ça attire pas les loups, justement ? Normalement, si. Là, apparemment, pas pour l'instant. Ok. Et non, d'ailleurs, faut que je demande à Irine s'il a mis ses loups avec lui, d'ailleurs. Ah, bah, okay. Si je peux les laisser un petit peu plus loin, je te dirai ça tout à l'heure. Ouais. C'est des peaux fraîches, les peaux de fourrure ? On a des fraîches, ouais. Athalys, en voyant qu'il n'y a personne dedans, elle ressort pour essayer de faire le tour, voir si elle voit quelqu'un à la lisière de la forêt ou en train de travailler autour de la maison. Je ne vois personne. Par contre, fais-moi un petit jet de perception. Qui ça ? Athalys. Y a personne. Y a personne.
personne. On trouve rien de particulier dans la cabane, à part les fourrures, c'est vide quoi. Non, vous ne trouvez rien d'autre. Bah, Athalys, elle re-rentre, elle dit est-ce que vous, vu qu'on est là, on est à une heure de marche, c'est ça à peu près? Ouais, une heure de marche. Est-ce que vous voulez qu'on attende d'ici, voir si monsieur revient? Il va sûrement revenir dormir ici cette nuit. Il est peut-être parti poser des pièges. On peut effectivement l'attendre un peu. Après, hier, il avait bien décidé d'avoir un coup au relais. Dans ce cas, si on revient sur le relais, on devrait croiser sa route sur la route ou là-bas. Bah, je propose qu'on y aille. On n'attend pas du tout. Vous voyez, Kidana, parce qu'on ne l'a pas croisé à l'aller, donc... On ne le verra pas au retour non plus. Sauf s'il arrive là-bas par ailleurs et qu'ensuite il revient vers chez lui, c'est pour ça que je dis ça. S'il est parti ailleurs faire poser des pièges ou je sais pas ce que font les trappeurs la nuit, et qu'ensuite il fait une escale au relais du corbeau pour boire un coup avant de rentrer chez lui, on le croisera au retour si on attend un peu. Mais on peut aussi l'attendre directement au relais, hein. Ouais, on peut rentrer directement. Oui, au moins on sera au chaud. Pas faux. Et puis cette odeur ici. En tout cas, merci de m'avoir accompagné, Elise. Et Ilana, elle repart un peu énervée. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'ils trouveront, ils trouveront une piste intéressante. Ils ont l'air très efficaces, Erin et Ankt. Elle essaie de te remonter le moral pendant tout le retour.